Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Reed Sutch-Stewart. Et où on est, Esther? On est ici à Leblanc Elementary École. Et qu'est-ce qui est spécial avec Leblanc Elementary? Il y a le français immersion. Reed Sutch-Stewart, un élève dans la troisième grade, fait partie de quelques douzaines d'élèves avec la chance d'étudier en français dans la paroisse Vermilion, qui se considère l'endroit le plus cajun du monde. La français immersion est quand les enfants allaient dans les classes pour 90% de la journée pour apprendre le français. Et tu aimes aller à l'école de Blanc Elementary? Oui. Et qu'est-ce que tu aimes ici? J'aime quand on allait dans la classe et fait le mathématique. Et c'est pas difficile le mathématique en français? Un peu. Mais je comprends. Enseigner tous les cours en français, sauf l'anglais, renforce l'impact des écoles en transférant la langue d'héritage de la Louisiane à la prochaine génération. C'est important de parler en français en Louisiane parce que c'est la culture et l'influence de la Louisiane. Pour maintenir cet héritage louisianais, les écoles d'immersion s'appuient sur une armée des professeurs francophones venus d'ailleurs. Mon professeur maintenant est M. Pierre et il vient de France. Mme Coralie vient de Belgique et Mme Christelle vient de Belgique. Mario Charret est un de ces professeurs venus en Louisiane pour sauver notre français. Je suis Mario Charret. Je suis d'origine canadienne, plus précisément un Acadien du Nouveau-Brunswick, de la région de la Baie des Chaleurs. Je suis en Louisiane depuis 20 ans. Après presque 20 ans en immersion à Lafayette, Mario est expert dans le domaine et il a commencé en tant que coordinateur de l'immersion à Leblanc Elementary l'année passée. L'immersion, c'est un programme qui suit le curriculum régulier en mettant une emphase sur l'acquisition d'une deuxième langue. Ici à Leblanc, nous avons le français. Donc les élèves en immersion suivent le même curriculum, c'est-à-dire font les mêmes classes, les mêmes efforts et les mêmes tâches que les Anglais, mais en ajoutant cette valeur ajoutée qui est le français. Est-ce que tu as une chanson en français? Oui. Tu peux chanter quelque chose pour nous autres? Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, sous la pluie, à midi et à minuit, mais il a tout ce que vous voulez à Cambrouis. Pour Mario et la communauté de Leblanc, l'immersion est une chance de à la fois de faire une connexion profonde avec les origines de notre peuple et celle d'autres peuples à travers le monde. Pour moi, c'est essentiel que les jeunes Louisianais, les Créoles, les Cajuns, apprennent le français parce que c'est un élément de leur culture. Et voyager dans sa culture avec sa langue propre, qui est le français, leur permet d'avoir accès à des saveurs, à des parfums, à des sons qui les aident à mieux comprendre qui ils sont. Donc, je crois que le français, c'est une carte d'identité, c'est une bonne carte d'identité à avoir.